Ah ben elle est dramatique parce qu'elle est destructrice, c'est-à-dire que cette dépendance, ce manque permanent, ça empêche de voir le mal que ça fait, les dégâts sur justement l'intégrité physique et psychique. Donc ce qui compte, c'est avoir sa dose, effectivement, voir l'autre, mais on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, on est en train de perdre. Et vous l'avez très bien expliqué, la personne que l'on est, le sujet. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des regards extérieurs qui peuvent alerter. Le problème, c'est que c'est difficile à repérer. Il faut pouvoir parler d'intimité, et puis il y a des professionnels aussi qui peuvent le repérer. Mais il y a certains qui ne sont pas formés, qui ne peuvent pas détecter les aspects de cette dépendance dans le discours. Là, effectivement, on est habitués à entendre ce genre de témoignages et on sait repérer. Mais les médecins pourraient aussi renvoyer des choses importantes pour créer des déclics si on connaissait bien ce type de personnalité, parce que ça permettrait d'alerter et de dire attention. Là, une relation, ça ne doit pas faire ça. Ça ne doit pas faire souffrir, ça ne doit pas mettre en état de manque permanent, ça ne doit pas faire perdre sa vitalité et sa confiance en soi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, c'est tout ce que vous voulez, mais ça, c'est pas l'amour. L'amour, ça libère, ça fait grandir, ça élève, ça n'emprisonne pas.